Je travaille pour l'émission d'Antoine Decaune, la Gaule d'Antoine. Depuis quasiment 6-7 mois maintenant. En fait, je suis dans chaque émission depuis que ça a commencé. Et depuis la deuxième émission, je réalise un mini passage où on montre qui sont les gens célèbres de la région en Draw My Life, en fait, une sorte de Draw My Région. Là, il est 22h11. Le cadreur vient demain à 10h pour installer le décor. C'est Julien, je vous le présenterai demain. Et là, pour l'instant, je suis en train de travailler sur la prépa, en fait, parce que c'est des sortes de Draw My Life. Donc, je prépare des dessins, certains que je vais utiliser directement sans les redessiner. Je peux les dessiner à l'avance. D'autres que je m'entraîne à dessiner. Ou encore, ici, un dessin que je suis en train de réaliser. Là, il est au crayon papier. Je vais le mettre au crayon de couleur. Et là, l'idée, c'est que le personnage perdre ses bras pendant que le roi lui coupe les bras. Enfin, le roi l'adoube et en fait ses bras tombent. Voilà. J'ai une chemise parce que Canal a demandé à ce qu'on voit des manches quand je dessine. Ouais, c'est un peu bizarre. Et là, on a sonné. C'est Julien qui arrive avec le matos pour le tournage. Donc pour l'instant, chez moi, ça ressemble à ça. Plus pour longtemps. Bonjour. Bonjour. Je suis chef décorateur chez Canal Plus. Ah, bah, entrez. Il y avait un petit tournage dans le. Bah, entrez, ah, justement. C'est mon chat vous attendait. Ah, mais c'est le studio de. De Canal, c'est le deuxième. Ah, il est très bien celui-là, c'est mon préféré. Bah, c'est trop bien ta petite machine et tout. T'es bien, hein? Petit chariot. Petit chariot. Julien? Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as fait? Eh bien, écoute, dans ta vie? Ah! Non! on a déjà foutu le bordel chez toi, on a à peu près tout viré ici. Ouais. On a coupé la lumière, on a fermé les rideaux, puis on a installé une petite installation qui va nous permettre de filmer par le dessus. Et donc, ça, c'est un. Canon 1DC. C'est un appareil photo qui fait de la vidéo 4K. Et donc, ça nous permet de filmer tes mains qui vont venir dessiner sur des feuilles, sur du livre et tout pour l'émission. Et mais puis, là, on peut pas voir l'image! Ah non! Jeune naïf, tu n'as jamais fait de vidéo. Ceci est un écran. Il est câblé à la caméra, il te permettra de visualiser les choses de manière plus pratique que si tu utilisais un tabouret. Et on est obligé de tourner dans le sud. Mais c'est vrai qu'on est dans le sud de Paris. Eh donc, on y est. Hein. J'aurais pu me prendre comme ça. Non, ouais. Bah non, c'est du racisme. Non, exactement. Et après, tu mangerais mon chat. Ça, c'est encore plus de racisme. Ouais. N'est-ce pas, Ten? Il y a une boutique bretonne rue Gay-Lussac dans le 5e. Les mecs, ils ont tout. Bon, tu t'appelles Antoine? Ben c'est ça, je travaille pour la Gaule d'Antoine. Et c'est fou ça. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour la Gaule d'Antoine? Eh ben écoute, là, je prépare le décor de Draw My Life, ou Who's Who, franchement. Oui, c'est vrai qu'on sait pas trop comment ça s'appelle. Ça dépend en fait. Et donc, c'est en plastique dedans? C'est ça. Je pense pas que avant c'était en plastique. Non, pas du tout. Avant le plastique, tu veux dire? Et alors, je dois le porter quand je dessine ou alors c'est pour la déco? Ça reste du décor, t'inquiète. Ok. Hop. Je suis un peu déçu, mais. Tu peux l'essayer après. Hein. Et quand même, en fait, c'était. La chance, c'est que tu le bloques avec les broches, tu vois. Aïe! Ah oui, bah oui, j'ai pas de cheveux, ouais, c'est bon. C'est génial qu'on fasse cette émission un jour de pluie. Vous trouvez pas? Sur la Bretagne, il y a comme un. C'est un breton, en fait, ouais. Qui s'exporte bien, du coup. C'est vraiment vexant pour tous les bretons qui te regardent. La pluie? Ils savent, hein. Eux-mêmes ils savent. De la carte postale de Bretagne. Du rocher bizarre de Bretagne surtout. Les rochers bizarres, hein, super. Il y a vraiment un mec, il avait son appareil photo, il s'emmerdait quoi. En attendant, moi je vous montre un peu ce que j'ai préparé. Par exemple, on m'a demandé une tombe au début avec des mains qui sortent. Et donc du coup, j'ai déjà préparé mes mains. Et la tombe, je vais la dessiner là. Ouais, et tu vas la. Et après, la surprise, c'est qu'il y a le bras qui sort. Oh, outre-tombe. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et t'as pas de crêpes? Des artichauts et des galettes bretonnes. Un petit bateau phare. Ah bien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, t'as une broche avec un biniou. Et là, t'as le porte-clés harpe. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ah, et celtique. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est la cornemuse et en Bretagne, c'est le biniou. C'est ça. C'est exactement la même chose, en fait. Est-ce que la cornemuse, c'est pas plus jolie à l'oreille que le mot biniou? Ouais, mais est-ce que le son est aussi moche chez les deux, tu vois? Je ne sais pas. Je vois que c'est quand même vachement engagé contre la Bretagne, hein, cette discussion. Mais non, c'est juste que je veux dire,
moi, en soirée, j'ose pas dire je joue du biniou. J'ai envie de dire je joue de la cornemuse. Là, c'est juste une question de classe. Ouais, ouais. Tu vas couper la queue de... Hey, ça mène à tout, la télé. Hein. C'est ça, hein. T'as changé toutes les lumières, là, à l'install, pourquoi ? Parce que c'est mieux comme ça. Et voilà, les jeunes, comment on apprend. Regardez des making-of. Et après, vous refaites pareil chez vous. Vous voyez, au début, c'était moins bien, mais maintenant, c'est mieux. Non, mais en fait, tout à l'heure, on n'avait pas assez chaud. Et là, c'est bien, on suit. Là, on est bien, là, on est bien, ouais. On est bien, on est moite. En plus, je suis obligé de mettre une chemise, en plus, pour le tournage, parce que les gens ont demandé à ce qu'on voit que j'ai des habits, parce que sinon, ça faisait un mec tout nu qui dessine. Mais c'est vrai que d'habitude, je suis pas en chemise, et là, je suis... C'est vraiment pas le jour pour être en chemise. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de faire tenir sur un drapeau breton. C'est bien, la télé. Ça tiendra à peu près. Qui est breton, ici ? Oula. Moi, à moitié. C'est vrai ? À moitié ? Ma vie est très compliquée, vous savez. Ok. J'ai grandi en Picardie, donc on a déjà fait les Hauts-de-France. Mm-hmm. J'ai des origines qui viennent de Malte et Tunisie. Malte ? Ouais. J'adore Malte. Ah oui ? Je suis jamais allé. C'est super. Sérieux ? Faut refaire 7 jours, parce qu'en 7 jours, t'as fait le tour de l'île 2 fois. Ouais. Bah, c'est vraiment tout petit. Ouais, bah ouais. Mais c'est super beau, quoi. Bah, Game of Thrones, hein ? Ouais. Ouais. Ouais, bon, j'y suis allé pour ça parce que je suis un geek. Ah, c'est vrai. T'as été visiter la petite. Bah, avant que ça s'effondre. La chapelle. La chapelle. Il y a toujours un décor, hein, qui tient encore. Oui, mais je suis allé visiter le truc où il y a le mariage de. Ah oui. Avec les Dothraki, là. Et en fait, ça s'est effondré genre un an après. Et j'ai fait, ouais, je l'ai vu avant que ça pète. Le tournage va commencer. Par contre, on a un petit problème. Non, on s'est bloqué. On peut plus tourner. On doit récupérer une light. Et range ta langue et mange des mangues, connard. Bon, bah, vas-y, hein. Vas-y, t'as le droit. C'est mon chat, t'as le droit. Vas-y. Non mais il en a rien là-bas. Salut. Non mais... Enchanté. Il s'en va pas, il veut te lécher le visage en fait. C'est bon, merci, ne vous dérangez pas. Connard. Bon, alors, on va commencer par... Alors, moi j'ai un petit document. Voici les pages que nous allons devoir faire. En jaune, c'est mes dessins. Là, c'est ce qui va se passer. Il y a l'audio, etc. J'ai numéroté pour chaque dessin. Et en gros, on a 19 états. Ce qui est énorme par rapport à d'habitude. C'est pour ça que je stresse. Voilà. Hop. Et on commence par écrire Bretagne sur ce livre. Avec ce petit appareil. Et voilà. Et à la fin, je viendrai coller ce sticker. Quand même l'accent qui revient, hein. Oui, je sais pas pourquoi, c'est une spéciale accent du sud, on sait pas pourquoi. Je vais prendre celui-là, ouais, je crois qu'il résume bien, quoi. La Bretagne. On a l'état d'esprit, là. Ouais. Julien, qu'est-ce que tu fais ? On lui souffle dans le bignou. Soufflez-moi dans le bignou. Ah, on s'amuse vraiment. Donc, là, c'est la voix d'Antoine Decaune, qu'on a reçue par WeTransfer, parce que ça marche hyper bien. Donc, c'est la voix test. Là, on a fini le tournage. Et là, tu es en train de faire un pré-montage rapide pour voir si on n'a rien oublié. On a laissé le décor tel quel, parce que si on doit retourner des trucs, sinon on est dans la merde. C'est prêt comme c'est ça. J'ai tout dit. On appelle ça un ours. T'as pas dit que c'était un ours ? Et pourquoi on appelle ça un ours ? Parce qu'il a de la barbe ! LOL ! Non, pourquoi on appelle ça un ours ? De mémoire, ça vient de la presse écrite. Oui. Et c'est ce qui, ce qui expliquait qui avait écrit dans le magazine. Oui, je crois que c'était les premiers jets, où il disait It's us, ou It's ours, ou je sais plus quoi. C'est vrai ? C'était notre premier jet. Et en français, c'est passé en deux, c'est devenu un ours. Qui. Là, on a vu la tête du mec qui dit « Ce mec a de la culture. » J'apprends des choses. Ouais. J'apprends des choses. Et tu peux nous parler un petit peu de la... du Qatar ? Écoute, le Qatar, cette magnifique contrée du Moyen-Orient, qui est la première exportatrice de gaz dans le monde. Production de perlières dans les années 50, elle s'est en fait exportée plus vers le pétrole au niveau des années 70 avant de découvrir ses grands gisements de pétrole et de gaz schiste. Actuellement, elle a 600 millions d'excédents par an de barils de pétrole, ce qui correspond à plusieurs milliards d'euros.
ou de dollars. Et donc voilà, et c'est aussi comme, considéré comme l'une des pires démocraties dans le monde, elle en bas du classement. On a fini ? Ouais. C'était bien, hein ? Oui. C'était super. Bon. C'était pas mal. C'était pas mal. Bon. Et bientôt sur Canal+, c'est ça, Antoine ? C'est ça, diffusion le 4 juillet sur Canal+, à 21h. Tous les amateurs de beurre. La Gaule d'Antoine. La Gaule d'Antoine, spéciale Bretagne. Enfin, si vous n'aviez pas compris, c'est qu'on est vraiment des merdes. Merci. Merci. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.